communiqué des VDN et de la FMS à propos de la révision de la liste électorale. La commission électorale indépendante CEI a lancé l'opération de révision de la liste électorale ce mercredi 10 juin 2020. Cette importante opération s'est donc ouverte hier et court jusqu'au 24 juin 2020 sur toute l'étendue du territoire national. À l'étranger, elle commence le 13 et prend fin le 14 juin. Chers camarades, cette opération de révision de la liste électorale a pour objectif de prendre en compte les mutations intervenues dans le corps électoral et de donner la possibilité à toutes les personnes de nationalité ivoirienne de s'inscrire sur la liste électorale. Les VDN et la FMS ont accueilli cette information avec intérêt, compte tenu de notre attachement à la démocratie, laquelle démocratie est attachée au vote des citoyens pour choisir les dirigeants. Chers camarades, l'élection présidentielle d'octobre 2020 est pour nous un rendez-vous que nous ne pouvons rater. Ce sera l'occasion pour nous de porter à la tête de notre pays Son Excellence Guillaume Tibafori Soro, l'homme qu'il faut pour nous ouvrir de nouvelles perspectives de paix, de réconciliation et de stabilité. C'est pourquoi j'invite tous nos membres situés partout sur l'étendue du territoire national, dans toutes les régions, dans tous les départements, toutes les sous-préfectures, tous les villages et hameaux à sortir massivement pour participer à cette opération. Nous ne devons pas attendre le dernier jour. Il faut que chaque coordonnateur régional, départemental s'assure dès maintenant que tous nos militants et l'ensemble de nos sympathisants sont effectivement présents sur cette nouvelle liste électorale. Tous ceux qui ont déjà voté sont invités à vérifier que leur nom existe effectivement sur la liste électorale. Tous ceux qui ont changé de domicile sont invités à faire mentionner leur nouveau lieu de vote. Notre appel va surtout à l'endroit des nouveaux majeurs, à savoir les jeunes qui ont maintenant 18 ans. Chers camarades, je vous exhorte à sortir massivement pour vous inscrire sur les listes électorales durant ces 2 semaines. Chers camarades, le compte à rebours a commencé. Le processus qui aboutira à l'installation de notre leader au palais présidentiel a commencé. Allons tous nous faire enrôler. En attendant le jour du vote, le 31 octobre 2020, pour achever le travail en prenant d'assaut les bureaux de vote pour porter notre choix sur Son Excellence Guillaume Tibafori Soro, fait à Abidjan le 11 juin 2020 pour les VDN et la FMS Bilé Kamagaté Adama.